Moi, j'ai toujours été intéressée par les pédagogies alternatives. Seulement, des écoles alternatives, il n'y en a pas beaucoup, on n'en trouve pas partout. Et puis, en fait, Elora, depuis le début, elle s'ennuie à l'école. Mais tout le temps, depuis le début de la maternelle. Et moi, quelque part, ça me fendait le cœur, en fait, de l'emmener là où je savais qu'elle n'était pas bien. Donc, ça a duré des années comme ça. Donc, il y a quand même. Voilà, moi, je me sentais mal vis-à-vis de ça, quoi. Mais en même temps, je ne savais pas trop comment faire parce que je travaillais. Aussi, je suis seule avec deux enfants. Je dis, comment je peux gérer ça, quoi? Et puis, j'ai lu le livre d'André Stern et je ne suis jamais allée à l'école. Et puis, ça a fini de me décider. J'ai refermé le livre. J'ai dit, ça y est. Je l'ai appelé, puis je lui ai dit, c'est oui. Et en fait, ce livre, Je ne suis jamais allée à l'école, c'est un témoignage en fait d'une famille de quatre enfants, d'enfants qui ne sont jamais allés à l'école, et non seulement ça, qui n'ont jamais suivi le programme. En fait, est tombée avec ce livre ma dernière croyance qui faisait que je ne le faisais pas. C'était la croyance selon laquelle il faut faire des études, il faut aller à l'école pour avoir un métier, pour réussir sa vie. Et il y a aussi une autre chose qui nous a décidé, enfin qui m'a décidé, c'est qu'en fait, Elora, elle est très intéressée par le domaine artistique et elle fait six activités extrascolaires. Quand on s'est dit qu'elle allait rentrer au collège, on s'est dit ça va pas être possible de garder les six parce que ça va faire trop. Et puis on s'est dit, bah, et si on enlevait l'école? Voilà, on s'était renseigné un petit peu et c'est vrai que enfin, dans une école classique, il y a des temps pour. Il y a un temps où on va chanter, un temps où on va faire de la pâte à modeler, un temps où on va faire voilà, une activité puis une autre, etc. Et il y a des enfants qui ont besoin d'un quart d'heure de cette activité et puis après ils ont besoin de passer à autre chose parce que ça y est, ils ont eu leur compte. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de rester plus longtemps, de revenir sur cette activité. Et une école classique, elle n'a pas les moyens en fait de faire en sorte que chaque enfant puisse prendre le temps qui lui est nécessaire. Et voilà. Alors ici, bah, c'est différent parce que chaque enfant fait une activité et il la fait jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de la faire. Ce qui nous intéressait, c'était l'idée d'une pédagogie qui respecte les besoins de l'enfant et qui lui apprend à être autonome et à apprendre à apprendre. Et moi, j'ai fait des études très longues. Et malgré le fait d'avoir fait des études très longues, je me suis rendu compte tard que j'avais pas vraiment appris à apprendre. Et je pense que si on fait ça le plus tôt possible, ça permettra à l'enfant d'être plus créatif et autonome dans sa vie adulte. Et je pense que l'école traditionnelle ne permet pas aux enfants d'avoir cette autonomie-là. L'école traditionnelle enseigne, mais elle apprend pas à apprendre. Donc les enfants sont des récipients d'un message ou de connaissances, ils reçoivent, mais ils savent pas faire beaucoup plus de choses que ça que recevoir. Voilà. Donc c'était ça. Et j'avais entendu parler de Montessori à l'époque où j'ai fait des études en Angleterre, où le système Montessori est très développé. Et une amie à moi avait fait une formation en enseignement Montessori et avait travaillé dans une école Montessori à Londres. Et elle m'a beaucoup parlé du bien qu'elle voyait et du fait que les enfants étaient différents des autres dans la mesure où ils arrivaient à être dans des classes où parfois ils étaient 20 ou 30 élèves sans que ce soit le chahut comme ça pourrait être dans une classe normale sans qu'il y ait besoin non plus d'une autorité forte qui vienne de l'enseignant. Eh bien, donc ça vient de Maria Montessori, c'est une Italienne, je crois que c'est vers 1900 qu'elle a fait sa première école à Rome. Donc c'était sa première expérience et c'est de là qu'elle a pu élaborer le matériel au contact des enfants en fait. Et c'est pour ça que la tour est rose et pas d'une autre couleur. Les barres sont bleues et pareil, c'est pas d'une autre couleur. Donc c'est un matériel élaboré scientifiquement. Dans toute école Montessori, en principe, vous allez retrouver ce même matériel. Voilà. Son travail essentiellement a consisté pendant près de 50 ans à observer les enfants et à proposer un matériel. Et la sélection du matériel s'est faite avec les enfants quelque part.
Donc elle a, comme ça, progressivement découvert qu'il y avait un développement naturel, comme s'il y avait des lois inhérentes d'apprentissage, qui étaient communs à tous les enfants de toutes langues, de toutes origines. Et elle a sélectionné finalement ce matériel commun que l'enfant allait explorer et approfondir. On a ici trois espaces au niveau de la classe. Donc derrière ici, c'est le matériel de vie pratique. C'est ce qui va permettre à l'enfant, donc aux 3-4 ans, hein, vraiment les petits, de faire des actes concrets. Donc pour être vraiment en phase avec la réalité. Et donc ça lui permet aussi de fixer son attention sur un geste concret. Hein. C'est vraiment concret que de boutonner, de cirer les chaussures, de transvaser, etc. Ça va vraiment l'aider à augmenter son autonomie première, en fait. Et l'enfant est très demandeur de participer à la vie quotidienne que ses parents... Voilà. Quand il observe ses parents, et de vraiment pouvoir faire par lui-même tout ce qu'il a observé. Il a envie d'imiter, donc du coup, là, on lui propose vraiment un cadre où on va lui montrer... lentement, comment on fait pour verser, vraiment on le fait tout doucement, et donc là l'enfant a vraiment tout le temps après de refaire à sa façon. Et... L'enfant de 0 à 3 ans, jusqu'à 6 ans aussi, a un esprit absorbant, c'est-à-dire qu'il il absorbe tout son environnement. Et si sur le moment il ne répète pas forcément, il n'imite pas juste après, plusieurs mois après, on va le voir tout d'un coup replacer dans un contexte, un mot qu'on a employé, une expression, faire un geste, le même, et on se dit, ah bah tiens, c'est parce que Maria Montessori appelle ça l'esprit absorbant. Nous, c'est vrai qu'en pédagogie Montessori, c'est une base première, que l'enfant ait déjà cette vie pratique complètement dans l'utilisation, et c'est une première marche avant de pouvoir ensuite gravir le matériel suivant, qui sera un deuxième espace concernant le matériel sensoriel, où là, il va développer d'autres habiletés, qui seront vraiment... qui passera toujours par une expérimentation physique, sensorielle, vécue, par la manipulation. Il apprendra à discerner aussi bien les formes, les couleurs, et toujours dans un souci que chaque matériel est progressif. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à la fois, ce qui l'évitera de tomber dans la confusion, mais au contraire, dans plus de clarté, dans le discernement. Donc, très dans le concret au départ, et ensuite, d'expérimenter concrètement une longueur, qu'est-ce que c'est, de différentes tailles, une hauteur, des volumes, eh bien, il en aura une représentation dans le ressenti. Ce qui ferait que sensoriellement, il va déjà découvrir que telle barre a collé à telle barre et fait la même longueur que telle autre barre. Ce qui est préparable, vous le devinez, à l'addition, puis ensuite à la soustraction. Dont il fera l'expérience après avec des perles, avec d'autres matériels de plus en plus abstraits. Donc il y a vraiment cette progression qui fait que l'enfant va d'un acquis à l'autre pas à pas. Et nous, on observe où il en est à chaque manipulation de matériel. Parce que, comme je dis tout à l'heure, il y a des concepts sous-jacents à chaque matériel. Donc il va lui-même découvrir des choses qu'on ne lui a pas montrées. Et c'est ces moments-là qui seront pour lui assez magiques, assez porteurs de joie soudaine, de voir que quand il prend la petite barre de taille 1 sur une barre de taille 9, il la compare à une barre de taille 10, les yeux qui s'écarquillent, c'est lui-même qui a fait cette découverte-là. Ce qui du coup amène une intégration très forte de l'apprentissage. Après le 9 plus 1 pour lui, quand il saura que ça fait 10, ça sera un tel automatisme qu'il n'y aura aucun effort, et même une joie peut-être à y répondre. Et ce qui est intéressant, c'est que Montessori, c'est plutôt l'individu, c'est l'enfant, c'est la personne, mais ma fille est très sociable, et elle peut s'adapter à d'autres environnements, parce qu'on lui a permis en partie de s'écouter elle-même et d'être proche de ses besoins. Donc elle n'est pas déconnectée du monde du tout. Donc Elora, le week-end dernier, elle était tout le week-end à Paris pour une compétition gymnastique avec toute son équipe. Les vacances dernières, elle a fait un stage de cirque avec des enfants et puis un stage de poney à Vieux-Roux avec d'autres enfants. Elle a donc 5-6 activités par semaine avec des enfants et une journée entière toutes les semaines avec d'autres enfants de tout âge qui font l'école à la maison. Voilà, donc je crois qu'elle a sa,
sa dose de contact avec des enfants. Il y a quand même une part chez moi qui valide pas le système actuel. Pour moi, c'est beaucoup de temps pour peu de choses retenues. Pour ma propre expérience, quand j'essaye de réfléchir à ce que j'ai retenu de l'école, franchement, il n'y a pas grand-chose avant, on va dire, la philo, quoi, terminale. Donc, beaucoup de temps perdu. Pour moi, le temps qui passe à l'école, pour moi, si c'était moi qui faisais les programmes, il y aurait beaucoup de choses. Et je pense des choses qui retiendraient, avec beaucoup plus de pratiques. En tout cas, une pédagogie active, ça, c'est sûr, dans l'action. Et la chance qu'on a eue tous les deux, c'est qu'on a été bons scolairement, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'adapter, mais ça demande quand même un effort, et du coup, on est coupé peut-être de notre véritable nature. Peut-être que j'ai pas fait les choses qui me plaisaient vraiment, j'ai fait les choses pour plaire aux enseignants déjà, pour plaire à mes parents, mais pas forcément ce qui, moi, me convenait. Pour avoir des bonnes notes, voilà, donc, pour bien faire des exercices. Et dans ce système-là, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant va faire ce qui lui plaît, mais sans non plus rester à un petit niveau, parce qu'on peut aller très loin, Montessori, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ça va jusqu'au niveau bac, en fait. Moi j'étais un élève, en primaire en tout cas, extrêmement rapide, et la chance que j'avais, c'est que comme je finissais avant les autres les exercices, la maîtresse, elle m'autorisait à faire ce que je voulais après. Donc j'avais le droit de faire ma gym au fond de la classe, ce qui est incroyable. Mais peu d'enseignants permettaient ça. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, mais je sais qu'aujourd'hui, on demande aux enseignants dans le système traditionnel de vraiment suivre des règles et du coup, d'avoir une forme de pédagogie un peu rigide qui, à mon avis, est de plus en plus déconnecté de l'enfant. Je pense que le rythme n'est pas du tout adapté à l'enfant. Le rythme de l'école actuelle, pour moi. Et en rajouter encore en plus, rajouter le mercredi, pour moi, c'est une aberration, quoi. Ils sont fatigués, quoi. Le mercredi, c'était la journée de repos. Voilà, l'enlever, faire un lever de plus le matin, sous prétexte que c'est meilleur pour le rythme de l'enfant. Non, mais... Je vois pas à qui ils vont réussir à faire croire ça. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Tous les instituts savent que c'est pas vrai. Les ADSEM savent que c'est pas vrai. Les parents savent que c'est pas vrai. Mais bon. Dans une école Montessori, il n'y a pas de programme. Puisque c'est le fait aussi d'établir un programme qui va couper au bout d'un moment l'envie d'apprendre pour l'enfant. Enfin, ça, on va lui imposer d'apprendre telle matière à tel moment. Et puis d'apprendre que voilà l'étape d'addition à telle autre, etc. Que là, c'est lui, il reste au contact de sa spontanéité et donc il va vers l'apprentissage qui le stimule le plus au moment donné, quoi, au moment voulu. Qu'est-ce que t'aimais pas, ouais, dans le fait d'aller à l'école? On se lève tôt et après on repart et que en fin d'après-midi et en fait on a presque rien fait de la journée, quoi. Oui, la journée type, c'est que moi, je travaille le matin. Je rentre, on mange, et puis après, on travaille. Et après les 2 heures de travail, il y a un temps de repos, le goûter, et puis après, elle a ses activités, en fait, qui démarrent quand les autres terminent l'école. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas le stress des devoirs. Il n'y a pas le stress du lever, donc le stress du coucher. C'est assez confortable, en fait. Je pense qu'il y a certains parents qui doivent passer le temps que nous, on passe à faire le programme, à faire les devoirs. Puis du coup, on passe moins de temps sur ce que j'apprends plus vite, sur les matières où je peux apprendre plus vite. Et du coup, on passe plus de temps sur là où je suis moins forte. On assiste à une réunion d'information à la fin du premier trimestre. Mmh. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Qui nous a beaucoup apporté. C'était comme une conférence. Ah oui, c'était génial. Qui nous a permis de mieux comprendre l'évolution des enfants, la place de l'enfant dans la famille. Les caps aussi. Les passages. C'était très, très, très bon. On n'aurait certainement pas une conférence comme ça dans une école normale, ça c'est sûr.
ça aide à comprendre le fonctionnement de l'enfant, les étapes qui parfois sont un peu difficiles mais nécessaires à passer. Donc ça permet de relativiser, de prendre du recul. Enfin, c'est... Puis d'accompagner aussi, voilà, comme on peut, plutôt que d'être dans la résistance ou dans la force, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment très très bien. C'est vrai qu'il y a le matériel, il y a le rythme de l'enfant, il y a l'ambiance de la classe et l'extérieur, et il y a l'adulte également, qui est l'éducateur, qui a un grand rôle à jouer dans le cadre qu'il va poser. Et ce cadre comprend de suivre un certain nombre de règles. Par exemple, il y a un matériel qui représente plusieurs règles de vie, qui est le tapis. Le matin, il va prendre un tapis qui sera son espace pour la journée, dans lequel il pourra se poser, il pourra travailler, il pourra se reposer. Et que ce tapis-là, chaque enfant est sur son propre tapis. Il est demandé à chaque enfant de respecter l'autre et le tapis de l'autre, c'est-à-dire de ne pas marcher dessus, de ne pas intervenir quand l'autre travaille ou se repose. Donc il va apprendre le respect, il va prendre la place, le territoire de chacun, et sa place et son espace. Les enfants de 3-6 ans sont dans la même classe. Donc il y a aussi toute cette stimulation du plus grand, qui a déjà acquis un certain nombre de choses, qui comprend mieux que n'importe qui le plus jeune, même plus qu'un adulte, puisqu'ils sont dans la même, le même psychisme, dans le même âge. Donc ils se comprennent beaucoup plus facilement. Et un enfant qui a 1 ou 2 ans de plus, qui va montrer quelque chose à l'autre, l'autre va l'acquérir d'un seul coup. Ça va être absorbé beaucoup plus facilement. Donc il y a cette interaction du plus jeune qui est porté par le fait de vouloir apprendre ce que le plus grand connaît, et le plus grand qui va aussi montrer, voire transmettre, qui va conforter ses acquisitions et son apprentissage. Et donc il y a cette stimulation aussi qui est possible, d'où des ambiances qui vont être de 3-6 ans pour la maternelle, une autre de 6-9 ou 6-12 pour le primaire, où il y a ça qui est possible également. On utilise les adultes comme des personnes ressources, les autres. Donc quand il y a quelque chose qui se présente, en fait, on demande, quoi. Par exemple, si j'ai un ami qui est directeur de centre équestre et que je sais qu'elle aime les chevaux, je vais lui demander, voilà, est-ce qu'elle peut aller aider le mercredi? Donc c'est ça, c'est avoir l'idée de... Et en plus, comme maintenant elle a le temps, tout est possible, en fait. J'ai pu me rendre compte de ce qui coinçait dans son apprentissage. J'ai vu, voilà, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui pose pas du tout problème. Parce qu'en fait, moi, je la connaissais pas sur ce plan-là, ou un petit peu, mais pas comme un instituteur, quoi. Enfin, voilà, donc du coup, là, j'ai vu vraiment ce qui pouvait coincer. Et donc, je suis allée récemment avec ça rencontrer un instituteur qui avait eu mon fils, que j'avais beaucoup apprécié, qui est à la retraite maintenant. Et puis, il m'a donné des conseils, il a relativisé certaines choses, il m'a dit que c'était courant. J'avais souvent dans les remarques scolaires qu'elle est lente. Et moi, j'ai vu où et à quel moment. Et je ne dirais pas elle est lente, parce que quand elle travaille, en fait, elle est assez rapide. C'est la mise en route qui est longue. Voilà. Donc moi, j'ai observé que sa mise en route est longue et que pas du tout sa réflexion et la recherche du résultat dans le problème. Clairement, Loumé est une enfant autonome pour son âge. Ça, c'est sûr. Elle peut faire plein de choses toute seule, elle peut s'occuper seule. Elle peut, si elle a besoin, elle vient nous voir, mais elle n'a pas besoin, elle n'est pas toujours en demande. Elle sait s'occuper seule. Et ouais. Ça, au début de l'année, ce n'était pas le cas. Alors, ça fait partie aussi peut-être des étapes d'évolution, mais moi, j'ai l'impression que... Ça a beaucoup changé cette année, ouais. Ouais, elle a beaucoup, beaucoup grandi. Bon, l'école, de toute manière, l'apporte, mais j'ai l'impression qu'ici, ça l'a encore plus apporté que normalement. Donc, pour moi, au contraire, c'est justement leur apprendre à être plus libre, à faire autre chose de leur temps que de travailler du matin au soir, et à faire des choses... ça leur apprend à faire des choix... à faire ce qu'ils aiment faire d'abord, parce que c'est ça la vie, c'est se réaliser, quoi. C'est faire ce qu'on aime faire, parce qu'on excelle dans ce qu'on aime faire. Donc si on a le temps, si on se donne le temps, les moyens de faire ce qu'on aime, on devient bon, et puis après on a du travail dans ce qu'on aime. Ça, c'est pas un problème, ça vient dans cet ordre là en fait.